Oui, mec, salut, c'est moi le dieu de la maquo. Et pour ce mercredi, je t'ai prévu une super maquo, une maquo pour les chamans. Et si tu es un chaman troll, c'est encore mieux. Non, ça c'est pas vrai, ça change rien. Donc, macro pour chaman, macro pour le loup fantôme. Vous voyez ici, j'ai mon loup fantôme, le fantôme d'habitude, hein. Et le truc, c'est que quand je spam mon loup fantôme, moi je spam tellement vite. Oh, merde, mais que s'est-il passé? Le loup fantôme s'est enlevé instantanément. Non, on ne le voit même pas se transformer, à peine. Ouais, bon. Ça ne va pas. Mon sort ne marche pas, je suis donc obligé de pallier ça avec une macro, de faire quelque chose pour l'empêcher de... Alors, la première solution serait simplement de rajouter un petit point d'exclamation, on va dire. C'est très simple, tu veux dire. Tu vas faire comme ce que tu nous as dit dans la macro la mercredi dernier, tu vas rajouter un petit point d'exclamation. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Je spam, ça marche. Alors, le petit truc qui va pas, c'est que ça la recasse. Hein, si je continue à spammer pendant des heures et des heures, ça la recasse, ça me ruine ma mana. Or, le loup fantôme est considéré comme une forme, la forme de loup fantôme. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais on peut l'utiliser dans les macros. Je peux donc faire que, si je ne suis pas en forme, attention, en forme de loup fantôme, je suis tout le temps en forme, hein, ça faut le savoir, en tant que dieu des macros, je me dois de tout le temps être en forme. Loup forme, en gros, si je suis pas en forme, il ne lance pas mon loup fantôme. Comme ça, je suis sûr de pas pouvoir le recast. Mais je m'enlève du loup fantôme, qu'est-ce que je fais? Je fais une erreur. Impossible. Ah, j'ai écrit no fom. Hein, petit R que j'ai oublié, bah c'est pas grave. Bref, huche, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je peux la spammer à l'infini, c'est devenu le point d'interrogation tout moche, il se passe rien. Mais alors là, vous allez me dire, mais point d'interrogation tout moche? Mais pourquoi a-t-il ce point d'interrogation tout moche? C'est très simple. Elle arrive à un moment où la macro, elle lance rien. Hein, je suis en forme de le fantôme, donc la macro lance rien. Dans ce cas, c'est le point d'interrogation, mais il se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a rien. Ça ne va pas, nous on veut voir le loup fantôme tout le temps, donc on va rajouter ici le petit dièse chaud tout type. On va rajouter le dièse chaud tout type, loup fantôme. Voilà, c'est superbe. Hop. Et voilà, donc là quand je suis en loup, il m'indique que vous êtes déjà dans le fantôme. Et je peux spammer ma macro à l'infini, je peux cliquer dessus tout ce que je veux. Je vais vous expliquer là où c'est très pratique, c'est par exemple si on est en train de porter le drapeau et qu'on se fait dispel. Donc là j'ai fait un super cancel aura dispel, que j'ai appelé lol dispel, je vais vous montrer comment c'est écrit. Cancel aura loup fantôme. Donc ça veut dire que quand je clique dessus, en gros, hop, il m'enlève le loup fantôme. Tout simplement, hein, ça sert qu'à ça. C'est pratique, on peut se faire un cancel aura pour enlever le drapeau, des trucs comme ça. Pour avoir des macros, pour pouvoir lâcher le flag, ça peut être pratique. Plutôt que de chercher à l'enlever à chaque fois, je me rappelle à chaque fois j'enlève des buffs au lieu d'enlever mon truc parce que les buffs ils bougent tout le temps. Bref, revenons au sujet. Cancel aura. Donc hop, je spam ma macro tout le temps, ça se voit pas, c'est avec la roulette. Et hop, ça le recast immédiatement, vous voyez. En fait, à chaque fois que, imaginez vous faites dispel, bah vous allez tout de suite recast votre loup fantôme. Donc c'est très pratique. Ça vous permet d'être sûr de le caster dès qu'on vous l'enlève. C'est tout. C'est loup fantôme spammable. Donc, loup fantôme spammable à l'infini, sans jamais avoir de risque de l'enlever par erreur, ou de toute façon, il vous suffit de poser un totem ou quoi que ce soit pour le virer. Donc, généralement, vous n'avez pas besoin de l'enlever avant, quoi. C'est tout. J'espère que la macro vous sera utile, et que vous vivrez longtemps, et aurez beaucoup d'enfants.